Je peux ne pas savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Mais je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais que Dieu, mon Dieu que moi je prie, il ne pourrait pas me faire ça. Parce que je fais ma zakat. Tu sais à combien de familles qui viennent dans cette boutique-là pour chercher à me demander des services. Tu sais combien de personnes moi je nourris dans cette boutique-là. Donc mon Dieu que je prie là ne pourrait pas me faire ça. Le Dieu que moi je prie là, même s'il allait me faire ça, ce n'était pas comme ça. Parce que je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas escroqué. C'est ma sueur. J'ai souffert pour avoir cet argent-là. Tu viens à 2h du matin, tu viens brûler ma boutique. Hey, Fatim, vous me dites ce que je t'ai fait, c'est ce que je veux savoir en fait. Je t'ai appelé combien de fois, Fatim? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Tu as refusé de me dire. Mais je t'ai dit que je suis sûre. Quand je vais arriver à Abidjan, je saurai qu'est-ce qui s'est passé dans ma boutique. Parce qu'il y avait une forte intuition. Je savais que ce n'était pas le feu de Dieu. Depuis que j'ai commencé à faire combien ça, chaque année, il fait une zakat. J'ai foi en Dieu. Je suis musulmane. Je n'ai pas volé quelqu'un. Je n'ai pas brigandé quelqu'un. Je n'ai pas escroqué quelqu'un. C'est à ma sujet que j'ai eu cet argent. Comment tu peux te lever à 2h du matin? Je t'ai rien fait, rien du tout. Rien du tout. Je t'ai dit, il y a une caméra. Quand je vais venir, je vais visualiser la caméra. Tu as vu comment tu me parlais au téléphone ce jour-là? Tu étais sûre de toi quand tu me parlais. Tu criais. Oui, j'ai mis la clé dans son sac. J'ai dit, tu as pris la clé pour venir ouvrir le magasin à 2h du matin. Non, faut me dire, je veux savoir. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est parce que Dieu voulait me punir, qu'il a mis le feu dans mon magasin. C'est parce qu'il y a si, les gens ont raconté tellement de choses. Mais j'étais sûre que c'est mon Dieu que je prie la foi pour me faire ça. Il faut m'expliquer ce qui s'est passé. Parce que je ne vais pas te mettre en prison. Hein. Jamais. Je suis à la police, c'est passé pour savoir. Tu ne vas pas aller en prison. Mais ce Dieu-là, il va régler ton compte. Tu penses que je vais te laisser ici. Tu ne vas pas rester ici. Tu vas partir avec moi tout de suite. Non. Mais tu vas dormir maintenant. Tu vas dormir. Fatim. Pourquoi? Votre mari, attends, laisse mon téléphone. Il faut que tu me dises. Il faut que tu me dises, tu dois savoir. Il faut que tu me dises. Ah non. Attends, tu es méchante. Tu es méchante. Ma boutique est dérangée en fait. Non, mais si ça te dérange en rien, pourquoi tu allais mettre du feu? Tu veux mettre du feu à ma boutique, Fatim? La plus belle. Hein? Tu as épousé mon fils. Hein? Non, on doit faire attention à vous. Hein, parce qu'on se promène avec des gens à qui on a confiance, mais en réalité, c'est de mauvaises personnes. Tu viens au magasin là-bas, tu m'as déjà demandé pourquoi que je ne t'ai pas donné. Tu parais tellement gentil. On dirait même pas que tu peux faire une mousse. Comment tu m'as la mousse? C'est toi qui te réveilles à 2h du matin. À 2h du matin, tu voles la clé de la boutique. Tu ouvres la boutique. Tu vas me faire. Il faut me parler. Si tu ne parles pas, je te laisse ici. Parce qu'il faut que je sache pourquoi, dans quelle intention. Je veux savoir. Moi, je ne suis pas un enfant bâtard. J'ai considéré mon papa, j'ai considéré ma maman, j'ai considéré tout le monde. Même vous qui êtes autour de moi, je vous ai considéré tout le monde. Aucune d'entre vous n'aura demandé. Même quand je sens que vous avez besoin de quelque chose, je vous donne. C'est un tabou. Elle me dit, elle ne sait pas. Elle ne peut pas me dire qu'elle ne sait pas. Elle doit me dire pourquoi elle a mis le feu à ma petite. C'est juste ça, je veux juste savoir ça. C'est tout ce que je veux savoir. Je vous dérange jusqu'à ce point-là.
Imaginez-vous. Je n'ai plus mal. Ça me fait rire et puis je suis soulagée. Parce que je doutais de moi-même. Tu m'as fait douter de moi, tu m'as fait douter de mon argent. Parce que je dis, mais comment est-ce que Dieu peut me punir comme ça? Qu'est-ce que j'ai pu faire à Dieu? Des millions et des millions et des millions et des millions. Et puis tu attends que ma marchandise arrive ou le magasin est rempli, on ne peut même pas passer là. Tu te lèves le soir, je te vais mettre du feu. Comment quelqu'un peut être aussi méchant, Fatima? Non, mais c'est ce que j'apprends. Il faut qu'elle me dise pourquoi elle a fait ça. Je veux savoir. C'est ça, c'est ce que je veux savoir. C'est pour ça que je comprends. Elle dit qu'elle était seule. Parce que la caméra a montré, il y a eu deux personnes. Il y a une personne, première personne qui est sortie. Après, une deuxième personne qui est sortie. Elle est venue en point. Elle est sortie à 2h07. Elle est venue en pointe son taxi. Et le feu a commencé depuis 2h50 du matin. Elle était là. Mais je te demande parce que tu étais là, avec celle qui fermait la boutique. Tu as fermé la boutique avec elle et tu m'as dit que tu as mis les clés dans son sac. Parce qu'il y a trop de choses qui m'arrivent. Toujours je dis c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais cette fois-ci, elle me dit non. Dieu peut pas me faire ça. Parce que je ne fais rien à Dieu pour faire ça. Dieu peut pas me prouver de cette manière. C'est le point de Dieu. Parce que s'il a permis qu'il y ait du feu, que ça sale, que mes articles brûlent, c'est parce qu'il voulait. Mais il faut que tu le dises. Fatih, parle-moi. J'ai besoin des raisons. Parce que tout le monde doit savoir que c'est pas Dieu qui m'a fait ça. Parce que les gens pensent que c'est Dieu. Parce que je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Peut-être que c'est Dieu qui l'a puni. Je sais pas. Mais mon Dieu m'a pas puni. J'étais persuadée de ça. Chaque fois, je laisse. Je n'avais même pas de force pour Dieu. Parce que je pouvais imaginer tout. Sauf ça. Il faut me donner les raisons. J'ai besoin de raisons. Moi, dans tous les cas, ce que j'ai perdu, c'est plus de 40 millions. Tu ne peux même pas me rembourser. Tu ne peux pas me rembourser un rond dedans. La boutique que je suis en train de refaire, là, les travaux même de la boutique, là, tu ne peux même pas les faire. Donc, il faut que je sache au moins qu'est-ce qui t'a motivé. Est-ce que je te dérange? Ou bien est-ce que c'est parce que la boutique? Ou bien est-ce que je t'ai fait quelque chose? Je ne sais pas. Il faut que tu me dises pourquoi est-ce que tu m'as fait ça. Vous êtes là. Vous toutes les copines de mes nièces là, sont devenues mes nièces. Je vous considère toutes pareilles. Aucune d'entre vous n'est déjà venue me demander service sur vos épaules. Quand vous avez besoin de dentelle, vous avez besoin de quelque chose, je fais tout pour vous mettre à l'aise. C'est quoi toi tu as trouvé à me faire là? C'est de venir mettre du feu à ma boutique. D'ailleurs, vous avez ramassé l'argent qui était là. Et puis tu as mis du feu. Me faire payer des dettes. Les femmes qui ont déposé leur enveloppe depuis combien de temps, elles sont en train de payer un peu pour venir prendre leurs actifs. Tu es venu brûler tout ça. Les habits des gens qu'on avait en réserve, tu as brûlé tout. Toute cette marchandise qui était dans le magasin n'est pas tiens. Il faut que je sache. Donc on ne peut pas faire confiance à une personne de non. J'ai l'impression même que c'est mieux de travailler avec une personne dont tu doutes que de travailler avec une personne dont tu as confiance. Vous venez à la boutique là-bas. J'achète tout ce que j'achète. Je mets tout dans cette tu utilises tout. Je vous
t'ai jamais montré qu'il y a une différence de telle ou telle. Ce que toi tu as trouvé à faire, c'est devenir à 2h du matin. Toi tu es femme, tu n'as même pas le nom, tu n'as pas eu peur, tu t'es pas gênée. Tu viens, un magasin où il y a plus de 20 cadenas. 20 cadenas. 6 cadenas sur la petite porte et 12 cadenas sur le porte. Tu as pris le temps, tu ouvres, tu entres, tu mets le feu, tu te lèves, tu sors, tu refermes le magasin, tu prends ton taxi, tu t'en vas à la maison. Ah non! Tu ne peux pas imaginer que tu m'as soulagée. Actuellement, je n'ai même pas match de jeu. Tu me dis, hier, je ne peux même pas me lire. Quand le monsieur m'a dit qu'il a vu la vidéo, il me dit viens. Depuis hier, il m'a appelé. Il me dit viens, je vais appeler. Je n'avais pas le courage de me lever pour venir regarder parce que j'avais peur que ce soit une personne qui soit proche. Je lui ai dit non, laisse-moi. Si déjà on a vu que c'est quelqu'un qui est venu, il dit c'est bon. Il dit non, il faut que tu viennes. Toute la journée d'hier, j'ai pas pu. Il y a une amie soeur qui sur Facebook, Aïcha. Elle m'a envoyé des messages. Elle dit ma soeur, lève-toi, fais partie. Lève-toi, fais partie, je n'ai pas pu te venir. Aujourd'hui matin, je me suis levée, il m'a dit c'est vrai que vous voulez laisser tomber. Mais venez quand même, je sais. Et je viens, c'est toi. À toi, tu n'as jamais fait quelque chose. Je t'ai... Moi, en tout cas, je peux même en penser parce que je ne peux même pas penser à toi. Je ne montre pas, je suis pour toi, je ne t'ai jamais. Toi, c'est moi, je ne t'ai jamais fait. Vous venez à la boutique. Quand on a ça pensé, ça va se faire. J'ai douté de toi, ça, je te le dis. La première fois où la fille est venue à toi, je me dis à toi, avance. Je dis, quand vous êtes venu, je suis parti, ce jour-là que je voyageais. Sans comme les 1180, sans comme les 1000. Le soir, je suis venu, il s'est disparu de la boutique. Il n'y avait personne, il n'y avait que toi. Et comme par hasard, le jour encore que je dois, à la veille de mon arrivée, il y a encore de l'argent qui se perd. Et comme vous avez perdu mon argent, vous ne savez pas quoi faire. Maintenant, tu viens le soir, tu viens ramasser le reste qui est là. Tu ramasses les mèches. Quand tu peux emporter la vingtaine, tu mets du feu et puis tu t'en vas. Et Dieu va te faire. Moi, je ne peux pas te faire quelque chose. Parce que depuis que je suis là, je n'ai pas fait mal. Peut-être que j'ai fait mal à des personnes, sans m'en rendre compte. Mais toi, en tout cas, ma Céline. Voilà, ma Céline. Depuis quand tu es là, combien d'années j'ai souffert. Même quand je vois mes copines en train de faire yéyé, les trucs comme ça, je me prive tellement de choses pour pouvoir réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Et quand je finis, même pas 6 mois, j'ai ouvert la boutique en venant, tu fais autre. Pendant la fête de ta Céline. Même pas si bon moi. Tu as mis tout ça. Je n'ai pas envie de te montrer au monde en fait. Mais je veux juste que le monde entier sache. Dieu a décidé, c'est vrai. Il a permis que le feu la s'allume, c'est vrai. Il a savoir pour la moindre. Il avait besoin de savoir ça. Et quand je lui parlais, elle me parle avec un ton. Je l'ai appelé, j'ai rappelé. Quand je suis arrivée, je l'ai rappelé, j'ai parlé plus d'une heure du temps avec toi. Plus d'une heure du temps avec toi la dernière. C'est-à-dire que je veux pas qu'il y ait ça. Je me suis dit quelque chose. Les rêves que je fais là me montrent qu'il y a quelque chose. Il était dit Fatine, je suis. Habituellement, la tête de la chose que me sont arrivées, je n'ai pas cherché à savoir, je n'ai pas cherché à comprendre. Je dis c'est Dieu. Tiens. Elle vient à la boutique, elle prend la peine. Fatine Matalou est gentille, elle ne parle même pas. Tiens, c'est elle qui vient me tuer. Quand tu veux, tu l'as me tuer en fait. Parce que c'est que j'ai perdu, tu sais combien d'années je peux avoir ça. Tu sais combien d'années j'ai fait pour avoir ça. Toi tu es venu en une nuit, entre 2h et 5h du matin, tu as fini avec ma boutique. La vitrine, tout est cassé, on ne peut rien faire. La toiture, tout, on doit reprendre tout à zéro. Ah non. Moi je sais là, c'est dans les films, moi ils voyaient ça, ils ne savaient pas que c'était une réalité. Jamais.
jamais j'ai pensé un seul instant que ça pouvait être vrai. C'est-à-dire, je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne pensais pas à ça aussi.